Bon Fab, alors. Personnellement, belle équipe. Belle équipe, comme ils disent, hein, on se prend deux essais à la con au début. Comme d'habitude, on loupe ses 20 premières minutes, quoi. Mais on peut sortir la tête haute aujourd'hui pour une équipe comme ça, quoi. Parce que dimanche dernier, il y en avait que la moitié de l'équipe qui devait être là. Et on a toujours tous été là et bravo à l'équipe, quoi. Bravo, super. Super. Mais on continue. T'as mal un peu? Partout. Devant, ils sont structurés, ils sont très forts. Ouais. Je suis persuadé que si on ouvre plus souvent, on peut passer derrière. Maintenant, voilà, faut pas jouer devant. Ouais. Et juste les contrer. Et en touche? En touche, le problème c'est qu'ils trichent. Et j'ai l'impression que certains chez nous sont un peu endormis, à soulever. Alors, voilà. Allez, bouge! Ils sont pas confiants maintenant, moins confiants qu'ils l'étaient au départ du match. Faut que j'arrête, quoi. Hare Krishna, Hare Krishna. J'ai oublié chaque mal. Tous les matchs sont importants, toutes les équipes sont dangereuses, donc notre objectif c'est de tout gagner, voilà, pour pas avoir de doute à notre tête, donc partout où on va, on est là pour gagner. Vous jouez la montée cette année? Oui. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. On a pris nos 4 points. On a pris nos 4 points. C'est le plus important. Faut pas s'affoler. On est dans notre tableau de marche. Les gars, 4 matchs, 3 à l'extérieur. 4 matchs, 3 à l'extérieur. C'est bon, ça. On gagne à la palisse à la maison avec le point bonus. Après, on va à Saint et on va voir si on est des bons. Ouais, les gars. C'est tout. Allez, les gars. Ouais, ouais, ouais. Tu fais ça le dimanche, tu prépares les bières? Ouais, j'ai cherché des bières. À ma collègue. Je veux avoir 4 bières, s'il vous plaît. Tiens, Jean-Claude, on disait, excuse-moi, on parlait des cartes des supporters. Oui. Donc là, 35 aujourd'hui, c'est bien? Oui,
Oui, c'est déjà un bel objectif d'atteint, oui, oui. C'est surtout le fait de fidéliser les supporters et qui nous permettra peut-être par la suite de pouvoir les déplacer quand on sera en déplacement. Et donc apparemment ça plaît, le chiffre est bien. Je pense que c'est une bonne idée. Apparemment, les gens m'ont dit qu'ils étaient contents et qu'ils étaient contents de participer à la vie du club à travers ces 20 euros. Voilà. Parce que là, par exemple, un dimanche comme aujourd'hui, il y a combien de personnes autour du stade? Là, j'ai pas bien vu, mais aux alentours de 400 personnes, là. Bon, Greg, qu'est-ce que t'en penses du match? Commentaire chaud. Donc voilà, c'était le premier tournage de Tel Oléron sur un terrain de sport. Donc on a commencé par le rugby. C'était plus facile. Ah voilà, pas mal de monde, hein, belle fête partout, des enfants qui sont là, et puis une belle équipe de Bayergeois. Après, je sais pas si on va continuer à faire d'autres sujets sur le rugby, au moins il y aura celui-là, puis je sais pas, peut-être qu'on partira pour le retour à Saint-Georges de Bayergeois, il paraît que c'est joli, ce sera l'occasion. Prochain thème, le voyage en bus et le retour en bus avec mes copains du rugby. Voilà. Interdit aux moins de 12 ans, puis 16 et après tout ça.